Merci pour ton introduction. Je partage beaucoup avec toi ces idées. Alors, je suis économiste pour ceux qui ne me connaissent pas, mais effectivement, bon, l'écologie, c'est une évidence hein, pour chacun de préserver notre milieu de vie, nos écosystèmes, c'est-à-dire là où on vit. Et euh, il m'a semblé intéressant en tant qu'économiste, et j'ai commencé ça en 2014, de travailler sur l'écologie parce qu'il faudra marier l'écologie avec l'économie. On ne peut plus faire de l'économie en faisant des grands plans de relance. Pour construire des routes ou bétoniser la France. Ça, ça ne sera plus acceptable à l'avenir. Bon, à vrai dire, soyons honnêtes, l'écologie, en plus, c'est une discipline nouvelle et je trouve ça passionnant puisque c il y a tout à défricher, il y a tout à trouver. En fait, on a très peu de réponses sur beaucoup de sujets. Donc, c'est assez passionnant. Dans ce bouquin, le premier bouquin était sur la transition énergétique, qui s'appelait La transition énergétique le titre était assez complet une énergie moins chère et un million d'emplois créés après je ne pense pas forcément à la transition énergétique comme jado dans celui là c'est plus complet et j'avoue que j'ai failli m'arrêter au milieu tellement c'est complexe le nombre de choses à digérer pour travailler sur l'écologie parce que ce n'est pas de l'écologie verbeuse il y a de la technique derrière là j'ai tra travaillé la transition écologique dans sa globalité donc j'ai essayé de toucher tous les plus grands sujets de la transition écologique. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a des solutions sur les sujets angoissants et d'avenir Est-ce qu'on peut euh, sauver le climat Alors, il y en a qui ne pensent pas comme moi, mais vous verrez que finalement, on se rejoindra, même si vous êtes climato-sceptique, et donc travailler sur l'énergie. Et est-ce qu'on peut euh, sauver nos sols, nos écosystèmes, en changeant sur l'agriculture Sachant qu'il est très important de ne pas se laisser gagner par l'hystérie, il faut hiérarchiser les problèmes. Ça, ce sont les deux problèmes urgents. Après, on a des problèmes d'écologie profonde, beaucoup plus complexes, comme comment se passer du plastique, comment le recycler, comment transformer nos déchets en ressources. La bétonisation des sols, c'est des sujets plus complexes où on a quelques pistes, mais où il n'y a pas d'urgence et il faut prendre le temps de réfléchir. Voilà. Donc, ce livre, c'est un grand bouquin d'écologie constructive qui est à l'opposé de l'écologie punitive taxation, interdiction, le jadisme quoi, en fait, et euh, qui se veut réaliste, pragmatique puisque tout est chiffré, combien ça coûte, comment on va le faire, c'est pas il y a y a, y a qu'à faucon, il faut passer à l'agriculture bio, comment on va y arriver concrètement si on est au gouvernement, et c'est comme ça qu'on doit réfléchir pour être crédible. Alors, c'était pas prévu hein, ce résultat au municipal. J'en étais un peu chagriné, bien qu'écologiste, de voir cette vague verte, euh, enfin cette vague de, de jadisme. Mais je voulais commencer par quelques petits sujets annexes avant de rentrer à fond euh, dans le bouquin. Alors, je voulais vous parler des tartufes de l'écologie de la gauche gauche. La gauche gauche parce que c'est la gauche pas très respectable. La gauche pouvant être tout à fait respectable, mais la go gauche gauche, c'est un peu du n'importe quoi. Alors. Pour déminer un peu le sujet. Première chose, on vous explique que la pollution en particules fine, ça existe depuis peu de temps et c'est explosif et c'est en train de nous tuer et c'est dû aux voitures. Et c'est pour ça que tous les maires écologistes vont vous interdire les voitures. Alors, on a pourtant tous vu pendant le confinement, ceux qui ont suivi un peu la presse, que bien qu'il n'y ait plus une voiture qui roulait, il n'y avait que 7% de particules fines en moins. Donc, peut-être qu'on se fout de notre gueule un petit peu. Et effectivement, on se fout de nous parce qu'en fait, les, les voitures en île de france émettent 8% des particules fines qui sont émises en île de france sachant qu'en plus qu il y a des voitures il y a des particules fines qui peuvent se balader donc c'est un énorme mensonge qu'on vous raconte euh, les particules fines elles sont produites par les chaudières au fioul euh, par les chaudières euh, par les euh, centrales au fioul aussi il y en avait une à Porcheville à Mante-la-Jolie qui émettait autant que l'ensemble du parc réuni d'Ile-de-France comme c'est à l'ouest c'était pratique ça nous venait droit dessus, elle a été fermée mais disons que les particules fines, c'est embêtant. On les a quand même divisées par deux en 20-25 ans. Donc il y a un, un, une grosse amélioration, contrairement aux pays émergents où ça explose. Et euh, en tout cas, pas le, les voitures ne sont pas la cause des particules fines. Vous pouvez enlever toutes les voitures de Paris, il vous restera 90% des particules fines. Toutes les, particules, toutes les voitures de France, il vous en restera 85%. Donc on a un énorme mensonge, mais répété mille fois, qui devient une vérité, comme vous le savez. La lutte pour le climat et contre le CO2. Alors, ces gens, Jadot vous dit que lui, il veut sauver le climat absolument. Et pourtant, sa position est franchement contradictoire, puisqu'il vous explique que sa solution, c'est de faire comme l'Allemagne, en fait. Hein, fermer les centrales nucléaires et faire comme l'Allemagne. Comme beaucoup de gens en politique française, malheureusement. Or, quand on regarde, en France, l'énergie, l'électricité est décarbonée à peu près à 90%. Donc c'est 90% d'émissions sans CO2 grâce au nucléaire principalement, à un petit peu d'énergie solaire et éolienne et à l'hydraulique. Or, c'est l'énergie la, la plus propre d'Europe, l'électricité la plus propre d'Europe, avec la Suède et la Norvège qui ont la chance d'avoir énormément de barrages hydroélectriques, ce que nous n'avons pas, ou à moindre, dans une moindre mesure. On produit pour notre électricité 10 fois moins de CO2 que l'Allemagne. Bizarrement, Jadot veut qu'on fasse comme l'Allemagne. Donc il veut qu'on fasse quoi Qu'on installe, qu'on enlève nos centrales nucléaires qui produisent sans CO2, pour mettre des éoliennes et des panneaux solaires qui vont produire grosso modo la moitié du temps quand il fait beau, euh, quand il y a du soleil et qu il, ou qu'il y a du vent. Et le reste du temps, évidemment, vous êtes obligé de mettre des centrales gaz et charbon parce que les gens continuent à consommer de l'électricité même quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Et donc, c'est un moyen d'émettre beaucoup plus d'émissions de CO2. Donc, on peut dire, Jadot, son but, il est d'émettre beaucoup plus de CO2 en France par son programme écologique. Et l'Allemagne fait dix fois pire que nous. Écologie, voiture électrique, c'est une autre tartufferie, puisque Jadot et Macron, d'ailleurs, qui a repris cette idée, nous expliquent qu'ils veulent un million de voitures électriques en 2025 et en même temps on va fermer les plus grosses unités de production électrique en France. Donc on va faire augmenter la consommation et baisser la production. On est un peu chez les fous. Écologie et agriculture n'ont pas besoin de développer à autre mesure, mais vu que Jadot est un européiste forcené et que la PAC, la politique agricole commune, est déterminée par Bruxelles, avec des pays comme la Bulgarie, la Pologne, euh, qui sont beaucoup plus pauvres que la France, la Roumanie et tant d'autres, et qui s'en foutent de l'écologie et de l'agroécologie, on n'arrivera pas à trouver de solution. Ne parlons pas du libre-échange qui fait qu'on va déforester l'Amazonie pour produire des sojas et l'envoyer en France ou pour produire des steaks. Et puis n'en parlons pas en fait en général de la course au moins 10 ans qui est la politique agricole commune en général, accord de libre-échange compris, et qui fait qu'on n'a aucune chance d'avoir une agriculture plus propre dans ces conditions. Et l'autre chose aussi où Jadot se fout un peu de nous, c'est qu'il explique tout le temps que la France est zéro en écologie. Il suit les préceptes de ses amis qui expliquent qu'il faut toujours culpabiliser la France et montrer qu'on est nul. Alors, quand on regarde les classements internationaux, comme le classement de Yale, par exemple, qui est une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, on se rend compte que la France est classée numéro 2, juste derrière la Suisse sur l'écologie. Pourquoi Parce qu'elle a une agriculture qui, malgré tout, est assez respectueuse de son environnement par rapport aux autres, qu'elle émet très peu de CO2 et surtout. Euh qu'elle a baissé d'ailleurs de 25% ses émissions de CO2, qu'elle protège ses espaces, qu'on a 15% de parcs naturels, nationaux, régionaux, donc l'écologie est préservée. Donc là-dessus, on se moque un petit peu de nous. En fait, Europe Écologie Les Verts, c'est un, un néolibéralisme ou un européisme vert, comme je l'ai vu sur Twitter, c'était bien défendu, un mondialisme repeint en vert et rien d'autre que cela. Pierre a raison de dire qu'il y a un problème, c'est qu'on a laissé l'écologie à Europe écologie. Alors, n'est pas tout à fait vrai, c'est aussi les médias parce que quand on interroge quelqu'un sur l'écologie, les médias ont un réflexe pavlovien, c'est on invite Europe écologie les verts. Et à la fin, ça crée un réflexe pavlovien chez les Français qui pensent aussi que l'écologie ce n'est que eux. D'ailleurs quand moi j'étais au Front national à une certaine époque où dans ce parti on aimait la souveraineté de la France eh bien je parlais d'écologie, on avait des fois des euh, journalistes du Monde euh, de l'AFP et en fait je parlais d'écologie mais il n'y avait rien de retranscrit dans les articles puisque euh, ils avaient décidé que ce n'était pas nous qui devions en parler, c'était uniquement Europe écologie des Verts. Mais c'est vrai que la droite a tout à fait tort sur l'écologie, d'être allergique à l'écologie alors qu'en fait elle est allergique aux écolos. Bobo. Ça, on peut les comprendre. Mais par contre, allergique à l'écologie, c'est bizarre, puisque tout cela, ce n'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus puissant, parce qu'il est complètement illogique de se suicider en détruisant son milieu. Et ça, c'est quelque chose de profond. Et vous regardez tous les sondages sur l'écologie, les Français veulent absolument progresser dans la lutte pour l'environnement. La droite, elle pourrait avoir un programme spécifique, qui soit l'opposé du taxation, interdiction de Jadot, en fait. Euh, elle pourrait faire quelque chose d'intéressant avec et convaincre des électeurs. moi je me sens personnellement ni de droite ni de gauche hein, parce que je suis gaulliste je précise. le problème c'est que la droite ne fait que critiquer en fait la position sur l'écologie de la gauche et en fait elle non, elle critique les excès actuels de, de ce que dit la gauche sur l'écologie parce que finalement comme sur l'antiracisme comme sur les flux d'immigration comme sur l'union européenne en fait la droite se contente de recopier les idées de la gauche sur l'écologie en enlevant les excès donc avec quelques années de retard donc elle est en, copia elle est en mode copiage elle a aucune chance de gagner avec cela elle s'incline et c'est tout à fait dommage parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de propositions euh, plus intéressantes sur l'écologie Parlons aussi, euh, dans un petit thème, de l'échec de l'écologie mondiale et du phénomène Greta Thunberg. En fait, depuis 20 ans, on vous explique que l'écologie, c'est urgent, la maison brûle et il faut se dépêcher d'étendre le feu et qu'il faut absolument sauver la planète tout de suite. Or, qu'est-ce que vous remarquez c'est que les gouvernements font pas grand-chose sur l'écologie, des, me des mesurettes ou des trucs plutôt embêtants comme la réduction à 80 km/h sur les routes, mais pas grand-chose qui impacte et vraiment pas du tout à la hauteur de ce qu'ils défendent et de ce qu'ils prétendent. Alors Greta Thunberg, elle naît de ça, en fait, elle naît de ce, cette hystérie, de cette injonction paradoxale qui est de dire il faut sauver la planète et en fait on fait rien. Mais Greta Thunberg, c'est juste l'autre face de l'écologie mondiale, parce qu'elle dit pas autre chose. Elle fait d'ailleurs des tournées mondiales pour dire que tous les pays doivent en même temps travailler, faire une action. D'ailleurs, c'est une action mondiale, ce n'est pas une coopération, c'est une action mondiale qu'on demande sur l'écologie. Ce qui pose un problème évident, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Donc pour agir et prendre des décisions, c'est complexe. Et puis, penser que la France, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, les pays les plus sensibles à l'écologie vont convaincre des géants comme la Chine, l'Inde et les USA de faire la même chose que nous au même moment, je pense que c'est un peu présomptueux et on a très peu de chances d'y arriver. Le mieux, c'est d'y arriver nous-mêmes, de montrer qu'on ne détruit pas notre économie par l'écologie. Et là, on arrivera par l'exemplarité à donner envie à d'autres pays de le faire. Pas forcément la France tout seul, il y aura d'autres pays qui accompagneront. Dernière petite partie, dont j'en ai encore deux, c'est les réussites de l'écologie. En fait, on explique toujours qu'on est nul et que la situation va vers la catastrophe Sauf qu'il y a eu des vraies réussites en écologie. Et c'est important de le souligner, parce que s'il n'y a pas de réussite, à quoi ça sert de s'exprimer, à continuer à se rater? Donc, première chose, les pluies acides. Alors, il y en a plein qui sont trop jeunes pour avoir connu ça. Ils étaient encore de, probablement pas, pas conçus. En fait, on avait un problème majeur dans les années 80-90 sur l'écologie. C'était les pluies acides qui détruisaient les forêts. Finalement, on a résolu ce problème de façon assez simple. On a diagnostiqué quel est le sujet. En fait, c'était les carburants qui étaient, pollu... qui étaient trop souffrés, notamment, qui se souffrent, s'envolaient dans l'atmosphère sous forme de particules et retombaient sur les forêts, et détruisaient les forêts. Donc on a juste purifié le carburant. C'était pas complexe du tout, même si on s'est posé la question d'où ça venait au départ. Donc une vraie réussite sur ce sujet-là, on n'entend plus parler. Il y a la couche d'ozone aussi, évidemment, qui était en train de se détruire, et pour une fois, c'est une réussite de la coopération internationale, puisqu'on a changé dans les années 90, quand on a compris que c'était dû au CFC qui était dans les, dans, dans les gaz qui sont dans les frigos, les gaz frigorifiques, on a changé de euh, gaz frigorifique pour des HFC, et on s'est retrouvé avec la couche d'ozone qui était préservée. Donc, on était capable de faire quelque chose là-dessus aussi, sur les particules fines où il y a une pollution, avec tout un ensemble de moyens sur tous les sujets. On a divisé par plus que deux, pratiquement deux et demi, la pollution en particules fines en France, dans les grandes villes, depuis 30 ans, mais en Allemagne aussi et dans d'autres pays. Voilà. Et puis, en fait, on a l'impression que les émissions de CO2 n'arrêtent pas d'augmenter, mais elles n'augmentent qu'à cause des pays émergents. Et là, c'est plus le problème de l'écologie, c'est le problème de la mondialisation a été fait dans un moment un peu complexe, c'est qu'en fait, la France euh, a vu ses émissions de CO2 baisser de 25%, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni a fait aussi un travail remarquable, l'Allemagne un peu moins de 10%, l'Italie aussi, et même le, le, les États-Unis, en fait, depuis 10 ans, ont baissé leurs émissions de 10% en substituant notamment le charbon du gaz. Donc il y a un vrai effort qui est fait, il y a une vraie réussite qui est faite de ce point de vue-là, et dont, dont on ne vous parle jamais. Donc euh, voilà quelques réussites de l'écologie mais il y en a d'autres et donc c'est pas perdu d'avance. Avant d'entamer euh, l'examen du livre, parlons juste des points de blocage, pourquoi ça n'avance pas En fait, pourquoi il se passe rien et on patine et on patauge sur ces sujets et en fait, on va se retrouver à faire de l'écologie municipale qui est certainement pas le lieu où on peut faire l'écologie parce que c'est des programmes lourds et plutôt nationaux qui doivent être mis en place. Premier point bloquant, c'est l'écologie mondiale, c'est-à-dire on doit tous ou rien, on agit tous en même temps ou on fait rien. Deuxième point qui va vous rappeler quelque chose, c'est l'État doit se faire tout petit, les entreprises privées ont toutes les solutions. C'est ce qu'on appelle le dogme néolibéral, hein, lancé avec Yves Montand et la fameuse émission Les Crises des années 80 et qui est martelé plein de fois. Trop, parce que sans État pour résoudre un problème collectif, un projet collectif, pour faire un projet collectif, c'est un peu compliqué. Et puis les entreprises privées, leur but, ce n'est pas des salauds, les patrons, mais leur but, il est d'abord de faire tourner leur boîte. Il est d'abord de survivre. Et d'abord de gagner un peu d'argent pour se payer, etc. Même s'il y en a certains qui, qui sont riches à millions. Donc leur but principal n'est pas de faire de l'écologie. Il ne faut pas leur demander d'en faire outre mesure. On leur donne la direction, ils le feront. Mais ce n'est pas eux tout seuls qui peuvent, en ordre dispersé, lancer l'écologie. L'autre sujet, c'est le libre-échange. D'ailleurs, même. Pierre-Yves se foutra de moi, je vais citer Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie. Mais bon, il a quand même été ministre et il n'est pas si bête que ça. Mais euh, Nicolas Hulot, à peine il est sorti de son poste de ministre de l'écologie, il a dit « de toute manière, le libre-échange nous empêche, c'est le problème écologique principal. » C'est ça qui occasionne tous euh, les problèmes écologiques. Effectivement, c'est le cas. Pour quelles raisons La raison évidente, mais pas la plus importante, c'est les transports sur des milliers de kilomètres. Mais la raison principale, c'est le dumping, en fait. Environnemental que crée la mondialisation néolibérale. C'est-à-dire qu'en fait, les seuls pays qui réussissent, ceux qui réussissent le mieux, ce sont que ceux qui ont le moins de normes écologiques qui permettent aux entreprises qui vont délocaliser pour produire moins cher et faire plus d'argent, les multinationales. Du coup, par ricochet, un État qui a envie de prendre une mesure écologique le fait pas très souvent parce qu'il sait que ça va augmenter peut-être le coût du produit de 1 ou 2% pour des grands services rendus à la nature et à nous-mêmes par la suite. Mais en haut de 2%, ce n'est pas jouable. Hein. C'est le résultat net d'une boîte comme Peugeot, 2% du résultat net. Donc, produire 2% moins cher, ce n'est pas possible. Donc, en fait, préventivement, les gouvernements n'appliquent pas ces normes pour ne pas avoir de délocalisation. Donc, on a plusieurs problèmes au libre-échange. Bien entendu, on a un autre effet de blocage, c'est l'état stratège. Sans état stratège, comment impulser un projet avec d'énormes moyens Comment permettre de rassembler les entreprises privées pour aller dans la même direction Comment faire une politique industrielle pour créer des filières C'est impossible. Et c'est là où on se retrouve, comme d'habitude, sur le point de blocage. En fait, la clé de voûte de tout ça, c'est l'Union européenne, puisqu'elle réunit toutes les caractéristiques, écologie mondiale ou rien, hein, ce qui est Coralie Delhomme qui avait trouvé cette jolie formule de dire que c'est la courroie de transmission de la mondialisation. Euh, Libre-échange aussi, qui est un dogme et dans l'ADN de l'Union européenne, État-stratège qui interdit et dogme néolibéral qui est partout dans l'Union européenne. Voilà donc un petit préalable. Donc maintenant, on pourrait revenir au livre et sur l'ensemble de ce livre. Alors je l'ai structuré en deux parties, les actions faciles à mener et euh, ce qui est écologie profonde, donc trouver un nouveau chemin, un nouveau, chemin de, un nouveau mode de vie pour la société. Dans les actions urgentes, évidemment, c'est l'énergie et donc le climat et l'agriculture. On va commencer par l'agriculture. Sachant que là, on voit tous qu'on est dans une triple impasse puisque les paysans n'arrivent plus à vivre correctement. D'ailleurs, il y en a qui se suicident euh, régulièrement. Il y en a un tiers qui vivent avec le niveau du RSA, euh, c'est-à-dire 500 euros par mois, ce qui est quand même un scandale. On a les consommateurs qui s'empoisonnent lentement avec une agriculture chimique qui satisfait personne, et on a la terre aussi, la nature qui s'abîme avec un vrai désastre sur nos écosystèmes. Euh, qu'on oublie parce qu'on n'a pas tout le temps envie de penser à des choses lourdes mais on a quand même 80% des insectes qui ont disparu selon des études du CNRS, mais c'est pas qu'en France, hein, c'est aussi au Royaume-Uni, en Angleterre etc. et vous le voyez quand vous faites de la route sur votre voiture, il n'y a plus un insecte sur votre pare-brise alors qu'avant il y en avait partout qui étaient écrasés, les malheureuses bêtes. On a un tiers des populations d'oiseaux qui ont disparu en 20 ans, ne serait-ce que 20 ans probablement parce que, ils mangent des insectes, peut-être qu'ils mangent des insectes empoisonnés, ou peut-être qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Il n'y a pas assez de haies. On a le problème des abeilles, on a le problème de vers de terre qui ont disparu à 80-90%. Donc, tout un tas de problèmes concernant l'écosystème. Et pourtant, la volonté des citoyens français de changer les choses sur ce, sur ce sujet de l'agriculture est très forte. Et euh, tant pour l'environnement que pour leur santé personnelle. Et le gouvernement, les gouvernements, si vous réfléchissez, ils font comme si, ils vont le faire, tout le temps. Mais ils n'ont pas les moyens de le faire, donc ils ne vont pas au bout. Et on le sait, c'est parce qu'ils n'ont pas de capacité et de souveraineté. Alors comment est-ce qu'on est à... en est arrivé là On avait une agriculture basée sur l'artisanat, sur une connaissance du terroir, des animaux, des plantes une rotation euh, des cultures, des semences bien choisies, des espèces animales bien choisies, et on est passé euh, en fait à une agriculture très industrielle, sous l'effet de cinq moteurs, hein, qui sont la mécanisation, qui ne sont pas forcément quelque chose de mauvais, mais derrière les engrais minéraux, les pesticides, les espèces à haut rendement et non diversifiées, et la concurrence forcenée avec le libre-échange, qui est le dernier coin qui a été enfoncé. On a eu un effet positif parce que, en fait, on a eu une baisse des prix forte, ce qui a permis aux gens de pouvoir consommer autre chose, faire autre chose, avoir plus de vacances. On a eu une hausse des rendements, en fait, et une certaine abondance, euh, voire une surabondance de la production. Mais le processus, évidemment, il est allé beaucoup trop loin. Et vous le voyez pour certains quand vous partez en vacances, par exemple dans le Gers. Euh, j'y suis parti l'année dernière et vous voyez que vous avez des paysages à l'américaine qui se mettent en place avec des champs absolument gigantesques, c'est le cas aussi dans Lyon sans haies, euh avec une des cultures complètement uniformisées donc évidemment si vous avez 2 kilomètres carrés de blé ou de pommes de terre, je sais quoi, le ravageur qui vient va pouvoir se multiplier à toute vitesse. Donc il faut passer euh, des pesticides à fond pour pouvoir se préserver de ça et on est dans un cercle infernal mais qui en les dit aussi nos campagnes tout en les affaiblissant. Parce qu'en fait, tout ça, c'est une course au moindre prix, parce qu'il y a un prix mondial qu'il faut respecter. Et il faut, on a une course au moins 10 ans, et donc au moins cher. Et il est difficile de demander aux agriculteurs, euh, puisqu'ils essaient juste d'avoir la tête au-dessus de l'eau, et tant qu'on aura cette course au moins 10 ans, on ne pourra pas y arriver. Les Français, ils sont évidemment inquiets de la qualité des produits. On a 35 traitements pour une pomme, on a 20 traitements pour une pomme de terre en moyenne, qui est en agriculture chimique, on a 7 traitements pour le blé. Et derrière, il reste des résidus de pesticides, il ne faut pas se leurrer, sur, chaque, euh, sur beaucoup d'aliments. De, de, même l'Union européenne, dans, sa, dans, dans un papier, montrait qu'il y avait 60% en France à peu près de résidus d'aliments de, de, qui étaient contaminés par des résidus de pesticides. Et c'est quand même un peu embêtant parce que certains sont des partis, même un grand nombre sont des perturbateurs endocriniens. La, le site du gouvernement vous montre qu'il y a 13 pages de pesticides qui sont susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens, donc dangereux à très faible dose. Bon, on a un autre sujet, c'est qu'en en fait, on ne peut pas interdire un pesticide comme le glyphosate, même si tout le monde en a envie, ce qui a donné cette campagne hystérique l'année dernière, bon, il y a deux ans, je crois, avec Macron, qui a promis de l'interdire dans les trois ans, parce que les Français le voulaient l'Union Européenne ne le voulait pas, mais si vous interdisez le glyphosate, vous augmentez légèrement le prix, et dans la concurrence internationale, vous risquez de faire tomber pas mal d'agriculteurs dans les difficultés économiques, donc, ce modèle de libre-échange, c'est ça un petit peu, c'est un mode de dumping environnemental. On a aussi le problème d'importation de produits euh, qui ne respectent pas les normes. À peu près, selon le rapport du Sénat, c'est à peu près un quart des produits qui ne respectent pas les normes. Donc, on met, à la fois, c'est une trahison des consommateurs, mais c'est aussi une concurrence déloyale mise sur nos agriculteurs. Bien. Sur, dans l'élevage, on sait que la concurrence prend une autre forme, ce sont les fermes industrielles avec 1000 vaches en France, ce qui est très peu, puisqu'il y a des fermes de, euh, je crois, 3000, 5000 vaches en Allemagne, et il y en a pas mal dans ce style-là, il y en a aux États-Unis, il y en a de plus en plus en Nouvelle-Zélande, et ça, avec des, 10 000 cochons concentrés dans des bâtiments en béton, nourris au saja brésilien, qui ne voit pas le jour, en fait, évidemment, comme ils sont concentrés, c'est de plus en plus d'antibiotiques. Voilà, et on va aller malheureusement dans le pire en pire, puisque vous avez vu que même pendant l'épisode du coronavirus, il y a eu la signature d'un accord de libre échange, enfin le renouvellement et l'approfondissement. Donc ça a profondément changé l'accord de libre échange avec le Mexique, qui va nous envoyer de la viande de très mauvaise qualité produite par des pauvres gens dans de mauvaises conditions. On a l'accord avec le Brésil donc qui est le numéro un, un des numéros un mondial de la viande? je crois qu'un sexe sur sept vient du brésil aujourd'hui ça se concentre de plus en plus et le soja aussi vient très souvent du brésil ou d ou d'argentine. on a des accords avec tous les autres pays d'amérique du sud qui ont été signés dans les cinq dernières années avec la nouvelle zélande et l'australie n'en parlons pas qui sont les pays les plus compétitifs du monde en termes dans Plein de, sur plein de secteurs agricoles et on est d'accord aussi avec d'autres pays d'Afrique. Et donc on va se retrouver avec, en France, on a une décroissance de l'agriculture qui maintenant, si on accepte les produits de luxe que sont le fromage et le vin, en fait, est en déficit commercial. Donc on a on, la France dont l'agriculture est un des piliers maintenant, on vient à manquer et à coûter des emplois à la France. Ce qui n'est pas logique, il restera, si on continue comme ça, un peu d'agriculture et surtout une agriculture de, riche, de, de, de luxe pour les plus riches et pas grand-chose d'autre. Alors sur les pesticides, j'ai beaucoup travaillé dessus, c'est hyper controversé. Je pense avoir découvert quelque chose qui est bête mais intéressant, tout simple c'est que les pesticides, ils sont bien entendu faits pour tuer le vivant. Donc ça peut être les plantes, les champignons, des limaces, tout ce que vous voulez, de l'herbe aussi. Or, le vivant, en fait, est constitué des mêmes briques, c'est-à-dire des cellules de base, euh, des enzymes, des hormones qui sont étonnamment, on a plein de mêmes hormones qu'une grenouille, par exemple. Euh, ça, c'est quand même assez étonnant, je l'ai trouvé dans mes recherches, et il y a plein d'espèces qui partagent, en fait, beaucoup de données biologiques les mitochondries aussi, qui sont les usines énergétiques des cellules et qui sont présents dans l'ensemble des organismes vivants. Et donc, à partir du moment où on s'attaque et on tue ces animaux par ce biais-là, par ces biais de base, en fait, on abîme aussi les animaux plus gros qui peuvent être évidemment l'homme qui est plus résistant parce qu'il est plus gros, mais quand même qui est touché. Certains pesticides causent d'ailleurs l'autisme, comme le chlorpyrifos. D'ailleurs, ce, ces organophosphorés viennent des gaz de combat de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, les pesticides sont souvent la, recon la reconversion des industries chimiques euh, de la, des, guerres, des guerres mondiales, de, notamment de la Première Guerre mondiale. D'autres sont suspectés de provoquer des cancers, d'autres maladies chroniques, comme le avec le glyphosate, et d'autres tuent les abeilles ou sont des neurotoxiques. L'exemple euh, qui est apparu récemment... Il n'y a pas fait la une des médias, mais qui est très intéressant, c'est des, des pesticides qui étaient considérés comme sûrs, fongicides qui tuent des champignons, qui sont les SDHI. En fait, euh, s'attaquent aux mitochondries des champignons. Et évidemment, on peut s'imaginer qu'elles le font, à, elles le font aussi à l'homme. Pourtant, c'est un pesticide relativement nouveau. En tout cas, il y a plein d'autorisations qui sont mises sur le marché. Un des produits les plus utilisés. Et bien entendu, il y a une recherche de quelques organismes français de recherche, l'INRA, l'INSERM, les CNRS, qui ont montré que ce pesticide peut être, est dangereux et tue les cellules de champignons, mais aussi délétère et tue les cellules humaines. Évidemment, il, malheureusement, il est important pour l'agriculture aujourd'hui, telle qu qu'elle se pratique. Donc, il est encore utilisé, mais on est à des recherches. En fait, on a l'impression qu'on met à chaque fois des pesticides sur le marché, des produits qu'on ne connaît pas très bien, et qu'au bout de 10-20 ans, finalement, on se rend compte des effets délétères, alors qu'on vous a juré au début qu'ils n'étaient pas dangereux. Parce qu'effectivement, les scientifiques ne peuvent pas tout tester dans toutes les directions. Autre exemple, et qui montre, que je vous donne, pas pour vous en rajouter, mais pour vous montrer euh, ce qui se passe dans l'industrie euh, agrochimique et qui ne vous étonnera pas, vu ce qui s'est passé sur le Covid. C'est l'exemple de Tyron Hayes. C'est un chercheur de Berkeley brillant qui travaillait sur l'atrazine, un pesticide qui était très utilisé en France, euh, notamment pour euh, pour dé défricher les champs, donc un herbicide, pour les cultures de céréales et euh, de maïs. Donc ce, ce chercheur plutôt brillant de Berkeley, qui n'est pas n'importe quelle université, euh, avait reçu euh, par Sigeta un um, travail à faire, ou pour lequel il était payé pour vérifier si l'atrazine était dangereux ou pas. Il travaille dessus et il se rend compte qu'en fait, ça pose des problèmes incroyables à toutes les grenouilles qui se trouvent au bord des champs, qui ramassent. Et il se rend compte que même à une particule pour un milliard, ce pesticide, en fait, agit comme un castrateur chimique sur les grenouilles. Ce qui est pas rien, une particule sur un milliard. Et qu'en fait, les grenouilles deviennent mâles et femelles en même temps ou qu'il enfin, qu y a des problèmes pas possibles et qu'elles peuvent plus se reproduire. Donc il démontre sa toxicité. Et à ce moment-là, Syngenta lui dit, bon, votre travail est intéressant, mais on aimerait bien que vous alliez plus loin et on va vous donner 2 millions de dollars pour ce faire ». Donc lui était un peu naïf, à la, hein, comme beaucoup d'entre nous euh, à l'époque, et il se dit « bon bah c'est intéressant, je vais pouvoir continuer à travailler mon dossier, et en plus j'ai 2 millions de dollars, qui a envie de refuser ». Mais en fait non, c'était… et à un moment donné il s'est posé la question, et en fait il s'est rendu compte que c'était de l'argent pour lui faire perdre du temps, et pour que ce pestisse qu'il ne publie surtout pas les travaux… Qu'il avait trouvé sur ce pesticide et qui donnait tout à fait envie d'arrêter définitivement. Donc à ce moment-là, il refuse euh, le, euh, la continuation. Donc quand même courageux, il refuse 2 millions de dollars. Et alors là, une avalanche de dénigrement contre lui se passe. Il est et donc Sijeta fait une vraie campagne, orchestre une énorme campagne contre ce scientifique pour dire qu'en fait le scientifique qu'il avait embauché était vraiment un bullshitter nul, etc. Pour Empêcher qu'ils qu abîment euh, leur, leur atrazine. Pourtant, euh, il n'est pas idiot. L'Inserm a montré que ce produit était potentiellement dangereux pour les femmes enceintes et les bébés à naître. Et l'atrazine est interdite en France en 2003. Elle n'est toujours pas aux États-Unis, malgré les méfaits. Mais on voit bien la technique, en fait, des grandes firmes, c'est de détruire la réputation et de faire très mal à ceux qui ne leur obéissent pas et de faire beaucoup de bien à ceux euh, qui, qui, qui leur obéissent. Dernier pesticide dont on parlera, c'est le PCB, qui est le produit chimique sans doute le plus dangereux de l'histoire, ou un des plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Il est interdit depuis 30 ans en France. Il est aujourd'hui encore interdit de consommer les poissons dans certains fleuves et rivières de France parce que, à certains endroits, parce qu'il y a eu des PCB qui ont été déversés. Ça servait pour les condensateurs électriques. Et en fait, ces PCB sont tellement dangereux qu'on ne peut pas les enlever parce que si on les secoue, ils se dispersent et qu'en même temps, ils mettent des dizaines d'années, voire pour certains, des centaines d'années à disparaître et que les poissons sont encore impropres à la consommation 30 ans après. Et là, Monsanto, en fait, on a tout le dossier, connaissait le danger de ces PCB il y a très longtemps, 30 ans avant l'interdiction, mais évidemment, ils n'en ont rien dit, puisque comme le disaient les mails dans leur, euh, les, ma les communications internes, les courriers de l'époque, en fait, il ne fallait pas perdre un euro de business. Donc un peu difficile, après tout ça, de faire confiance à l'agro-business qui nous vend les pesticides et qui les teste d'ailleurs, généralement. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi une manipulation de la science par Monsanto, puisqu'ils ont carrément fait écrire des articles. Euh, par des scientifiques payés ou par des gens en interne, des salariés. Et ensuite, ces articles ont été signés par des scientifiques indépendants pour donner de la crédibilité à leurs produits, donc faire très attention à toutes les communications sur ces sujets. Donc la manipulation de la science, elle n'est pas que par Monsanto, on le voit qu'elle est par Sinjeta et par, sans doute par tous les grands noms. Pour faire… on va passer, mais… On peut, je je l'explique dans mon livre, les grandes catastrophes industrielles, bizarrement, hein, il y a peut-être aussi une part de hasard euh, de nos temps, sont dues aux usines de pesticides. Il y a eu Bhopal en Inde qui a fait 7000 morts et 3 à 500 000 personnes malades, dont des enfants euh, qui ont eu de gros problèmes euh, de déformation, de handicap. On a eu Céveso en Italie en 1976 qui était aussi une usine de fabrication de composants de pesticides. Et puis on a eu la guerre chimique du Vietnam qui était en fait faite à partir de pesticides. En fait, l'agent orange c'est une combinaison de deux herbicides commercialisés par Dow Chemical et Monsanto. En fait, qu'on avait dix fois surdosé et les généraux américains expliquent que c'était euh, qui étaient là-bas expliquent que c'était une réelle guerre chimique pour enlever en fait, les moyens de subsistance et pour, euh, aux Vietnamiens et aussi pour déforester. Donc les pesticides, on l'a vu, sont un problème pour la nature, pour les animaux. Euh, ils sont un problème puisqu'ils souillent les sols, l'eau, les nappes phréatiques. 15 ans après, la tra... en Indre-et-Loire, où je suis allé récemment, il y a euh, des villages qui, euh, où l'eau potable, les réseaux d'eau potable n'existent, ne sont toujours pas remis en route parce qu'ils sont pollués à la trazine et ils sont pollués depuis maintenant 15 ans, bien que la situation commence petit à petit à se débloquer. Voilà. Autre question. Si, euh, pour, si, les pesticides sont pas dangereux, parce qu'il y a plein de gens qui nous le disent, pourquoi y a-t-il une forte hausse des cancers qui ne sont pas explicables par le seul vieillissement de la population? Pourquoi y a une explosion d'Alzheimer? Pourquoi y a une explosion de Parkinson? Pourquoi il y a 70 fois plus de cas d'autisme aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a 50 ans? On est quand même aux États-Unis à 1% des enfants qui naissent autistes. En France, les données, en fait, j'ai vu une émission sur le sujet. Il est impossible de savoir combien il y a d'enfants autistes précisément et quel a été le développement de la maladie. C'est caché par l'État. Sachant qu'on a quelques pistes, hein, puisque un des pesticides qui s'appelle le chlorpyrifos, qui sert, qui, est un, un, qui, qui détruit le système nerveux des insectes et qui sert à protéger les orangers, il y a des études scientifiques qui ont été faites assez rusées pour montrer l'efficacité de ce pesticide. Malheureusement, pour l'autisme, plus vous êtes près d'une votre maison est près d'un champ d'orangers, plus vous avez de chances d'être autiste. Donc ça donne un niveau de corrélation qui donne quand même une certaine idée sur la causalité. Alors maintenant qu'on a fait un peu le, le, le petit musée des horreurs, je vais vous parler, moi je ne suis pas un technicien de l'agriculture, donc je reprends ce que les agro, ceux qui font de l'agroécologie font, et il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui, qui sont les époux Bourguignon, Lydia et Claude Bourguignon, et qui explique ce que doit être une agriculture saine, et, et productive d'ailleurs. Pour eux c'est gérer un écosystème naturel, en vue de produire des aliments sains et gustatifs du terroir. Une technique uniforme qui doit être abandonnée pour être remplacée par une véritable science agricole au service de tous. Le premier point, c'est de bien gérer la fertilité des sols et de planter évidemment en fonction du milieu et du terroir pour conserver un sol vivant. Parce qu'en fait, le sol n'est pas un amas mort. Ou un... En fait, il contient énormément de microfaune. Il y a les vers de terre qu'on connaît bien qui font partie euh, du cycle pour transformer les déchets. En, euh, en sol de qualité euh, fertile mais il y a aussi tout euh, un ensemble de petits animaux qui sont mal connus de microphones qui participent à la détérioration et en fait à l'amélioration des sols. Donc il ne faut pas laisser le sol nu il faut, euh, il faut pas ne... on n'a pas besoin de lui amener des engrais mais il faut des débris végétaux que ce soit de la paille ou des morceaux de bois qui vont permettre de gérer cette fertilité du sol et de la créer. D'ailleurs, il explique dans son bouquin que des sols morts auxquels il a eu à faire face, puisqu'il est euh, c'est sa spécialité, il a, on peut les régénérer en mettant des morceaux de bois en quantité importante dessus. Et au bout de un ou deux ans, en fait, la multiplication, la microfaune permet de régénérer le sol. Une des grandes innovations dans cette agriculture naturelle, c'est de semer après la récolte des plantes qui vont couvrir en fait la terre, qui vont permettre de la, de la couvrir, éviter d'avoir le, le sol nu, de l'aérer et empêcher l'apparition de mauvaises herbes. Ces, ces herbes-là qu'on plante sont détruites ensuite soit par le gel, soit par des rouleaux spéciaux qui blessent les plantes et qui les tuent au moment de l'hiver, et ces plantes vont participer à la fertilité. On comprend bien que c'est l'inverse de passer une charrue qui va mettre la microfaune des sols effectivement, euh, donc dans une position, elle ne doit pas être, c'est-à-dire face au soleil, en plein air, et qui va la détruire en partie, qui va imperméabiliser les sols, et qui va aussi euh, enterrer la matière organique et limiter la perméabilité des sols. Il faut aussi une rotation adaptée des cultures, une bonne sélection des semences, donc exactement à l'inverse de ce que l'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, on a un problème, puisque les agro-industriels ont pris la main avec... Euh, sans doute des aides de l'État ou de certains hommes politiques malhonnêtes, puisque en fait une semence pour être utilisable, elle doit être répertoriée dans un catalogue des semences. Et ça coûte très cher de le faire. Or, c'est complètement absurde. L'État peut très bien faire ça pour dire on va pas envoyer des espèces non combustibles, euh, non comestibles. Mais à ce moment-là, c'est son rôle soit de les de payer pour les mettre euh, dans le catalogue, ou alors de le faire gratuitement pour euh, et de faire repayer la filière par la suite puisqu'on en a besoin, il y a plein de, euh, plein de semences que nous n'avons pas le droit de planter à cause de ça. Voilà. Avec tout ça, on peut avoir un agriculteur local qui, produits quasiment sans pesticides et produits chimiques des produits sains et goûteux, c'est un petit peu plus cher que l'agriculture classique à produits chimiques mais sans dégâts pour notre santé et la nature. Sachant qu'aussi ça a tout un tas d'intérêts, c'est que c'est des économies d'antibiotiques quand vous êtes dans l'élevage, des économies de pesticides qui coûtent très cher, des économies de semences très chères aussi si vous changez, euh, des économies de produits chimiques, donc il y a tout un tas d'économies et la balance est pas si mauvaise que ça pour l'agriculture classique même si elle coûte un peu plus cher une fois dit tout ça, quel plan réaliste peut-on faire? et indolore pour notre économie, pour nos agriculteurs, pour le plus indolore possible pour nous, pour se passer de ces pesticides et passer euh, donc à une agriculture qui soit 100% biologique. c'est l'étude de cas que j'ai essayé de faire. est-ce possible ou non? alors, autant tester l'hypothèse la plus radicale que tester des hypothèses euh, légères. On a des raisons d'espérer déjà, parce qu'on a à peu près 7% des surfaces qui sont en agriculture bio, donc on, et on a progressé 17% par an. Donc on est parti de très bas, avec au départ que des pionniers, mais maintenant on est à quelque chose d'assez important. Le bio, évidemment, il va être limité rapidement, vous l'imaginez bien, par le prix élevé, qui est plus élevé aujourd'hui, d'autant plus qu'on est dans une perte de pouvoir d'achat un peu partout en France. Donc l'approche individuelle ne suffira pas, il faudra aussi un projet collectif pour réduire ces prix. On peut faire tout cela en deux phases. Première phase, on élargit le bio à 20-25% du marché. Il suffit de laisser courir à 20% de croissance comme aujourd'hui, l'accélérer un peu. Il faut, dans ce cas-là, il y a quelques mesures comme passer vraiment à 100% de cantines bio. Aujourd'hui, malgré tous les pipeaux que vous ont envoyés les hommes politiques, il y a 3% de cantines bio. J'ai trouvé ce chiffre sur l'opinion qui a fait, fait le travail. C'est le seul journal. On a 3 de continent bio, donc on vous montre. Ça montre vraiment qu'on est avec des communicants puisqu'ils nous en parlent depuis 15 ans, mais qu'ils n'ont rien fait. Il faut aussi payer les subventions remises sur l'ongle aux paysans, évidemment, puisque aujourd'hui on les paye un ou deux ans de retard, ce qui crée évidemment des problèmes économiques pas possibles et ce qui les rend frileux à passer. Et il faut aussi, je pense, un double affichage des prix parce qu'on est dans une certaine malhonnêteté. Bon, je n'ai pas d'idée de ce qui se passe dans la chaîne de distribution, mais c'est quand même très bizarre de voir des prix qui sont vendus 30 centimes d'euros en dessous des prix de revient par l'agriculteur et qui se retrouvent à 3 euros ou 4 euros dans les commerces. D'où vient le x13 Pourquoi l'agriculteur ne prend qu'une part minime Et ça, ça ne doit pas être possible. Et assez simplement, si vous les obligez vous leur, à afficher les deux prix, je pense qu'ils auront du mal à vous afficher 30 centimes d'euros 4 euros. Sachant qu'une marge normale, c'est plutôt x2, x3 pour un commerçant. Il faudra aussi évidemment un fort appui au, au développement des techniques bio à l'INRA et dans l'enseignement agricole, même s'il si y a de plus en plus de gens qui sont favorables au bio à l'INRA. Une fois qu'on a fini cette deuxième phase, il faut une phase de généralisation du bio, si on veut aller au bout. Là-dessus, si on veut généraliser le bio, vu le côté structurant, il faut évidemment un référendum. On ne peut pas comme ça décider d'un problème aussi structurant sans le référendum. Ça a plusieurs avantages d'ailleurs, c'est que c'est un, un aspect démocratique. Et puis, une fois que le référendum a été voté, vous avez beaucoup moins de résistance au changement que quand c'est la décision d'un homme politique qui peut être critiqué dans tous les sens. C'est donc beaucoup plus simple. Moi, j'ai une petite idée pour trouver, c'est la seule solution que j'ai trouvée élégante, puisqu'on a deux sujets en même temps. Il faut sauver nos agriculteurs, qui sont vraiment euh, en perdition, et en même temps, passer au 100% bio. Il n'est pas question de dépenser énormément d'argent pour acheter du bio dans tous les pays du monde que c'est comme ça qu'on ne fait pas de choses en écologie parce qu'en fait l'argent investi par les pays les plus en avance en fait vont à tous les pays du monde et se dilue. Donc il n'y a pas de retour de prospérité sur l'effort qu'on fait. Donc l'idée ça serait on a à peu près 30 d'écart de prix de revient entre les produits bio, bien que ça dépende des produits, entre les produits bio et les produits classiques. Donc on peut il faut si on veut le faire de façon indolore et y arriver et que ce soit accepté par les gens, il faut au départ une subvention de 30 de ce prix de revient directement à la ferme pour que les prix partent, que le pays, du paysan le produit bio parte au prix coûtant. À partir de ce moment-là, alors bien entendu, c'est pas génial d'avoir autant de subventions. On peut, quand le pouvoir d'achat aura augmenté, que le système économique aura été changé et qu'on aura une, une, une économie plus juste, on pourra changer et baisser ces subventions avec la molération du pouvoir d'achat des gens. Mais ça permet une chose très forte, c'est que ça permet à la fois de protéger les agriculteurs français qui sont protégés. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent. Ils sont protégés par cette subvention et personne, en fait ne pourra nous dire quoi que ce soit. Les Américains font des subventions énormes à agri leur agriculture hein, pour l'agriculture chimique d'ailleurs, et ça nous permet de, de ne pas avoir de résistance et pas avoir de problématiques vis-à-vis -vis de ça. Alors le coût, c'est 24 milliards d'euros par an, la, voilà, le coût, c'est 30% des 80 milliards d'euros de valeur ajoutée de l'agriculture française, donc à peu près 24 milliards d'euros par an, soit 1% du PIB. Et après, c'est à chacun en a mes conscience de se dire, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1% de notre richesse? pour sauver notre paysan et la nature et notre santé, ou est-ce qu'en fait je ne le veux pas et je veux garder 100% du pouvoir d'achat C'est comme ça que la question doit être fondée. Alors ça doit être à... Il doit y avoir tout un tas de mesures avec cela que j'explique dans mon livre pour aller le plus vite et le mieux possible. Alors évidemment, pourquoi personne ne le propose bah Parce qu'en fait, ça, évidemment, ça vous fait sortir du sac des bien pensants, puisque tout cela est impossible avec une politique agricole commune qui est définie par l'Union européenne et qui est très loin de ça, impossible avec le libre-échange, impossible euh, de, de donner de telles subventions pour passer au tout bio. Et même impossible d'obliger l'affichage de l'origine des produits, puisque l'Union européenne va très loin dans les, dans, de, même dans l'affichage, c'est elle qui maîtrise les choses. C'est pour ça que d'ailleurs que vous voyez des miels ou des d huiles d'olive qui sont produits dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. C'est toute la réglementation de l'Union européenne qui permet cette opacité. Bien. Est-ce que j'ai combien de temps encore, Pierre-Yves Le temps dont tu as besoin. Euh... D'accord. Très bien. Alors, passons, pa, 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 passons au problème de l'énergie. On a le problème de l'énergie. Avant de passer à ça, parlons de réchauffement climatique, qui est une question qui diffuse, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui divise, et au, au pic pétrolier. Première chose, est-ce qu'il y a un pic pétrolier Même si c'est une idée pas tout à fait à la mode, il y a quand même un vrai enjeu là-dessus. Le pétrole, c'est à peu près 40% de l'énergie consommée dans le monde. Donc, s'il y avait un problème de pic pétrolier sur le pétrole, ça poserait un problème majeur au monde entier, à l'économie du monde entier. Le pic pétrolier, c'est en fait le moment où on a produit, on a extrait la moitié du pétrole qu'on peut extraire dans des champs de pétrole et dans les champs de pétrole mondiaux en général, et où là, la production obligatoirement baisse quoi qu'on fasse. Elle baisse légèrement de 1 ou 2 mais elle baisse par an, mais elle baisse quoi qu'on fasse. Parce que le pic pétrolier, il bah, faut savoir déjà, première chose, que depuis 1985, on découvre moins de gisements et largement moins de gisements de pétrole conventionnel qu'on en produit donc il y a un affaiblissement logique des réserves de pétrole conventionnel et en fait bizarrement depuis 15 ans en fait la hausse de la production il y a stabilité de la production du pétrole conventionnel mais par contre il y a une hausse de la production qui est uniquement due au pétrole les plus chers donc les moins intéressants à chercher qui sont le, les pétroles bitumineux du Canada, les pétroles de schiste ou les pétroles de mer très profonde, comme il y a au Brésil, par exemple, à 5000 mètres sous le plancher. Donc, s'il y avait énormément de pétrole conventionnel à disposition des compagnies, j'ai du mal à penser que les entreprises privées iraient prendre le pétrole extrêmement cher alors que à 50 dollars le baril, elles perdent de l'argent depuis quelques mois avec ça, plutôt que d'aller chercher du pétrole à 10 ou 20 dollars le baril. Ça pose un problème majeur, le pic pétrolier, c'est qu'au moment où on va avoir une production de pétrole qui va même baisser de 2% par an, qu'est-ce qui va se passer Les gens n'ont pas du tout envie d'arrêter de se chauffer, de se chauffer moins, de moins euh, utiliser leur voiture. Donc il va falloir que les prix augmentent suffisamment et en fait explosent en, dans la réalité pour qu'on arrive à une baisse des prix du pétrole. Et là évidemment, ça voudrait dire un pétrole à 2-300 dollars le baril, le gaz et le charbon qui augmentent par sympathie puisque ça sera la substitution, et donc une vraie crise puisque… Les, les consommations d'énergie dans un pays peu énergivore comme la France, c'est à peu près euh, un mois et demi à deux mois de salaire en moyenne. Donc si ce, le prix fait x3, même s'il y a beaucoup de taxes, ça pose un problème majeur. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas prendre ce risque. Et une politique de l'énergie, ça ne se mène pas sur 3 ans, 5 ans, ça se mène sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. On ne peut pas prendre ce risque. D'avoir un manque de pétrole ou, ou plutôt d'avoir un prix du pétrole extrêmement cher. Et donc, même pour ceux qui ne pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, euh, n'est pas un sujet, parce que je sais qu'il y a des avis divergents dessus, ça pose un problème énorme de rester sur ces énergies fossiles, dont une, la plus importante, est vouée de disparaître à terme. Alors, moi, est-ce que je pense qu'il y a un réchauffement climatique Je vais dire oui, je crois, parce que je n'ai pas de certitude. Hein. J'ai beau être scientifique, avoir fait des études. C'est d'une extrême complexité. Les modèles climatiques, je suis pas du tout sûr que ce soit très stable et très simple de généraliser ça. C'est plutôt des, des choses chaotiques, le climat. Donc, j'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, je n'ai pas d'avis sur les modèles. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est une chose simple. Euh, si vous voulez travailler le sujet d'ailleurs, ou si vous êtes passionné par le sujet, allez voir sur le blog de Berruyer qui montre toutes les courbes de température mondiale, euh, les courbes de CO2. Il y a un travail hyper nourri, hyper bien fait pour vous faire une, votre propre idée là-dessus. Ce qui est clair, c'est que la vitesse aujourd'hui, donc le, le réchauffement, il commence depuis 1800, mais il a très nettement accéléré depuis 1900. On a un peu moins de 1 degré de hausse des températures, ce qui paraît pas grand-chose, mais ce qui a beaucoup d'impact. Et surtout, la vitesse de hausse de température est dix fois plus importante aujourd'hui qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. C'est là où on voit qu'il y a quelque chose, quand même, de pas normal qui se passe. Et c'est même d'habitude, c'est plutôt en moyenne 50 ou 100 fois plus court. Ce qui donne le temps à la nature de s'adapter. Là, on est dans des vitesses extrêmement rapides. Même le petit âge glaciaire du 17e siècle, qui est souvent cité par les partisans, euh, par les climato-sceptiques, en fait, c'est qu'on avait perdu 0,6 degrés en 500 ans. C'est-à-dire 0,1 degré pour 100 ans. Là, on a des hausses de température qui sont 10 fois plus élevées. Et vous voyez que le 0,6 degré du petit âge glaciaire, ça a eu un impact considérable sur l'histoire euh, de l'humanité. D'ailleurs, les, les moments où il faisait plutôt chaud, c'était des moments plutôt, dans l'histoire de l'humanité, favorables à la civilisation, à un développement, alors que les moments froids étaient plutôt mauvais dans le passé. L'effet de serre. L'effet de serre, effectivement, il y a plusieurs choses qui créent l'effet de serre. Il y a les nuages et la vapeur d'eau qui contribuent pour 60% à l'effet de serre. C'est la plus importante. Donc, l'effet, le CO2, lui, compte pour 25% et les autres gaz, méthane, ozone, etc., pour 15%. Effectivement, sans effet de serre, pour vous donner un ordre de grandeur, la température sur Terre, selon les climatologues, elle serait pas de 15 degrés en moyenne, mais de moins 18 degrés. Donc, il contribue pour 33 degrés. Donc, il a un impact absolument énorme sur le climat euh, de notre planète. Et si vous, euh, effectivement, le CO2 peut paraître pas grand chose, mais un quart de, euh, dix, de 33 degrés, ça fait quand même, si on suppose qu'on peut calculer comme ça, il y a une certaine logique, ça veut dire qu'il y a 8 degrés d'effet de serre qui est dû au CO2. Donc, c'est quand même quelque chose de fondamentalement important. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait Dans, dans l'histoire du climat de la planète, au départ, on, avait, on a eu une période avec énormément de CO2. Il y a eu croissance très importante des forêts, absence de, fo de décomposition des arbres. J'avoue, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il manquait à ce moment-là euh, de verre, de bactéries pour le faire. Et c'est comme ça que le pétrole et le gaz se sont formés et le charbon. C'est la fossilisation des arbres. Donc à ce moment-là, c'est du CO2, du carbone qui a été extrait de l'atmosphère et qui a disparu sous Terre. Sur une longue période et qui a permis de faire des, diminuer très fortement le CO2. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Tout ce, ce carbone qui est stocké sous terre et ce CO2 qui est stocké sous terre, en fait, on le remet à très grande vitesse en circulation dans l'atmosphère. Et donc, moi, ça me paraît pas étonnant que ça ait des effets, des effets importants. D'ailleurs, ça vous dit aussi ce raisonnement. Il est intéressant. Ça vous permet de vous dire une forêt en qui n'est pas en croissance, qui est stable, n'a aucun impact sur le CO2 c'est pas un poumon pour la planète même si c'est quelque chose de très intéressant puisqu'en fait les arbres qui poussent ils absorbent le co2 et les arbres qui se décomposent rejettent du co2 et c'est un bilan parfaitement neutre en fait pour les forêts voilà donc moi à mon avis c'est logique de dire que la hausse de l'effet de serre fait augmenter de façon inhabituelle et rapide la température du globe terrestre mais je vous laisse avec vos, votre, vos idées le risque il est quand même assez exceptionnel parce que si on a les glaces du groenland qui fondent on est, là, c'est pas comme les glaces du pôle Nord. Là, on est au-dessus d'une île. C'est une élévation de 7 mètres du niveau des eaux. Ça pose un petit problème à des villes comme Marseille, Fréjus, euh, Nantes, euh, et toutes ces villes où euh, il y a très peu, euh, très peu d'élévation qui, qui vont disparaître. Il y a une petite partie de la France. Après, si on va très, très loin parce qu'on se contrôle pas et c'est l'Antarctique qui font, là, c'est 60 mètres d'élévation. Euh, bon, c'est extrêmement peu probable. En revanche, on peut déminer les angoisses un peu millénaristes. Hein. On, on vous, nous envoie souvent les catastrophes. C'est l'angoisse sur les hydrates de méthane qui sont dégagés en fait par euh, les, qui sont dégagés par le réchauffement climatique. S'ils sont stockés soit sous terre, soit euh, juste posés sur le fond des océans, et ils ont tendance à remonter. Il y en a une, une immense quantité. Heureusement, les bactéries, la, la terre est bien faite. Les bactéries en fait les absorbent et les mangent avant qu'ils arrivent à la surface. Donc, ce n'est pas un sujet. Pareil pour le dégel du permafrost, il n'est pas du tout sûr euh, que ce soit aussi dangereux que nous le disent les écolos, parce qu'il euh, y a peut-être des phénomènes aussi de compensation là-dessus. Quoi qu'il en soit, on a des réponses claires, euh, réalistes et viables pour nous passer des énergies fossiles, donc pourquoi ne pas agir Bon, je ne vais pas vous refaire la chose puisqu'on a vu l'écologie mondiale. On va tous agir en même temps, et le problème, c'est que l'écologie sera nationale ou ne sera pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en France pour réduire nos émissions de CO2 Donc, reprenons l'électricité en France. C'est à peu près la moitié de la consommation d'énergie, et il n'y a pas de problème de CO2 dedans ou quasiment à la marge. On a 10 de CO2, et on pourrait d'ailleurs le réduire en, encore pas mal. C'est sur l'autre moitié de la consommation d'énergie qu'il faut travailler. En fait, c'est sur euh, le, les carburants que nous utilisons pour les transports, pour l'industrie et aussi pour nous chauffer, ce qui est un autre sujet. Et là-dessus, on a besoin évidemment d'un vecteur de stockage d'énergie parce qu'on peut, l'énergie, c'est quelque chose qui se balade à la vitesse de la lumière. Les réseaux électriques peuvent tomber. On peut pas avoir euh, une adéquation parfaite de l'énergie sans aucun stockage. Ce qui est euh, le côté absolument génial du pétrole. Hein. On, se, on le balade, on le stocke et on le récupère. On a en fait euh, on a l'essence le, de demain qui est l'hydrogène. J'avais déjà parlé en 2014, à ce moment-là c'était franchement novateur. Là ça le devient de moins en moins puisque c'est vraiment en train de devenir un sujet à la mode, pas en France parce qu'en France on parle de rien et en fait les médias nous désinforment comme vous le savez. Mais le Japon est en train de prendre une stratégie hydrogène, eux ça fait depuis 2016. La Chine dit qu'elle veut une stratégie hydrogène et une économie hydrogène en 2019. Et là, même Merkel, les Allemands, qui sont pourtant des locomotives diesel, mettent 9 milliards d'euros sur la table sur l'hydrogène, parce qu'évidemment, ils ont un énorme problème de stockage, eux en plus. Et 9 milliards d'euros, à mon avis, c'est assez petit bras, mais en tout cas, ils commencent à s'y intéresser très fortement. Le plan d'ensemble, c'est évidemment de garder les centrales nucléaires. On en a besoin, puisque les énergies renouvelables, on l'a vu, on ne peut pas les stocker par des batteries. Il faudrait une quantité de lithium pour stocker un jour d'électricité qui est, d'après l'Académie des sciences, trois fois la production mondiale de lithium de la planète. Je sais pas si vous voyez le truc. Vous pouvez le chercher. C'est l'Académie des sciences qui a fait ce travail tout à fait utile qu'on se fait plaisir à raconter aux écologistes. Trois fois la production mondiale tellement il y a d'énergie à stocker. Donc, il n'est pas question de passer. Donc on garde nos centrales nucléaires, on peut garder les énergies renouvelables actuelles, elles ne posent pas de soucis, destinées à la, production, à la consommation d'électricité du pays. Ensuite, il va falloir qu'on crée deux nouvelles sources d'électricité qui seront destinées spécifiquement à faire de l'hydrogène. Donc, on peut utiliser d'ailleurs nos centrales nucléaires on a 20% d'énergie gratuite, hein, en fait, d'électricité gratuite qu'on pourrait produire, puisqu'elles ne produisent pas à plein régime elles sont modulées en fonction de la consommation. Donc, on, peut, on a un énorme avantage, la France là-dessus. On peut avoir 20% d'électricité gratuite, coproduire de l'hydrogène. On le produit tout simplement en cassant l'eau en deux parties, en faisant une électrolyse de l'eau, en faisant passer de l'électricité dans l'eau et en cassant en hydrogène et en oxygène. On a donc un gros avantage, mais on peut aussi utiliser les énergies renouvelables qui sont là. Attention aux fake news. Vous pouvez le regarder aussi. Les appels d'offres des énergies renouvelables, elles étaient ultra chères. Maintenant, l'éolien, l'appel d'offres de l'éolien terrestre c'est 6 centimes le kilowattheure. Vous pouvez décider que c'est hyper laid et qu'il ne faut pas le faire, mais ne dites pas que c'est trop cher, parce que ça, c'est faux. Et le solaire, lui aussi, a 6 centimes le kilowattheure, donc au même prix que le nucléaire ancien. Donc, ce pas un sujet de prix. Après, c'est un sujet de choix et qui est un sujet légitime. Donc, on a ces trois sources d'énergie pour le faire. On peut choisir ce qu'on veut là-dessus. Il vaut mieux équilibrer solaire et éolien. On peut pas faire que du solaire parce que ça produit qu'en été, c'est un peu embêtant, ça pose des déséquilibres, ou que de l'éolien, ça produit plus en hiver. Mais en tout cas, il faut un équilibre là-dedans. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Mais on a le choix de faire tout ce qu'on veut. Si on veut faire que de, du nucléaire et n'avoir zéro éolien et panneaux solaires, on peut faire la transition énergétique comme ça. Ça nous pose quand même un problème, c'est que ça nous pose un problème. D'être un peu les mecs bizarres dans le monde. Tout le monde est à l'éolien, au, au solaire, développe des industries là-dedans. Et nous, on se met en autarcie en disant non, ben, on vous embête et on prend que le nucléaire. Donc ça va nous poser quand même des problèmes technologiques. Donc je pense qu'il faut un peu plus d'équilibre. Je pense que là-dessus aussi, comme sur l'agriculture bio, c'est un référendum qu'il faut faire. Parce que, et d'ailleurs, quand vous parlez aux gens, renvoyez-leur à leur pensée, si vous disent « le nucléaire, je ne supporte pas, l'éolien, je n'aime pas, le solaire, je n'aime pas, le pétrole, j'aime pas ». Mais tu veux quoi pour ton énergie En fait, il faut les renvoyer à leur pensée, à leur dire « c'est quoi que tu choisis, toi, plutôt que de dénigrer ?» Parce que toutes les énergies ont évidemment des inconvénients. Voilà. Ensuite, euh, donc cet hydrogène, on le produit à des coûts raisonnables. Une voiture à pile à combustible qui utilise cet hydrogène pour le transformer en électricité, ça consomme environ 1 kilo pour faire 100 km d'hydrogène ce qui représente si on arrive à le produire en assez grande quantité 5 euros à peu près pour se déplacer donc quand il est non taxé il est largement moins cher que l'essence donc on a tout on a des entreprises françaises qui savent fabriquer tout ça des électrolyseurs euh, des piles à combustible même s'il y avait une petite partie de la pile qui ne sont produites que par euh, certains certains certaines entreprises euh, notamment américaines euh, voilà toutes les technologies sont là. Et pour le faire, on a donc des voitures à hydrogène par Honda, Hyundai, euh, Toyota surtout, qui en a depuis 7 ans. On a Mercedes qui s'y met, BMW qui s'y met, qui croit plus qu'à l'électrique. Et on a aussi Peugeot, le patron de Peugeot qui est assez brillant, qui a redressé Peugeot, qui dit qu'il ne croit pas du tout à l'électrique, qui pense qu'on l'envoie dans le mur et qui croit beaucoup plus à l'hydrogène. D'ailleurs, il y a une Peugeot à hydrogène qui sort très bientôt. Le seul sujet sur l'hydrogène, c'est qu'on est en échec de marché, comme on l'était sur l'électrique, qui a mis 20 ans à baisser. C'est-à-dire qu'en fait, on produit ça en petite série, parce que enfin, c'est trop cher, donc on le produit en petite série. Donc, comme on le produit en petite série, c'est trop cher. C'est un cercle vicieux et c'est un échec de marché. Si l'État stratège donne une date butoir dans 5 ans, 7 ans, où il dit voilà, les voitures neuves dans les grandes métropoles, ce sera de l'hydrogène, et on active immédiatement une production en grande série, vous avez les prix qui baissent à ce moment-là immédiatement. Vers des niveaux tout à fait comparables aux voitures essence. Donc, on est en échec de marché. Et évidemment, le dogme libéral ne nous aide pas là-dessus à progresser. Voilà. Alors, où en suis-je Pour les logements, bon, je vais passer, mais on, on a des programmes possibles d'isolation des logements. Il faut des, taux à, des prêts à taux zéro pour tous à 15 ans, avec, pour que les économies d'énergie. Paye, euh, paye euh, les amortissements et les coûts d'installation. Mais il faut aussi mettre tout un tas de choses en place, puisque là, ce n'est pas prêt. En fait, vous voulez faire euh, isoler votre maison vous avez un artisan qui va venir, qui vous promet qu'il va, euh, qu va isoler votre maison, mais en fait, peut-être que son résultat va être quasiment zéro et vous aurez payé pour pas grand-chose. Il faut qu'il y ait une garantie, comme l'Allemagne l'a fait intelligemment, une garantie d'un minimum d'économie d'énergie. Il faut des garanties à 10 ans aussi face aux pompes à chaleur, pour les pompes à chaleur, les chaudières. Cela on vous dit acheter une pompe à chaleur à 15 000 euros, une chaudière au bois à 15 000 euros, qui ne sont pas des trucs très éprouvés, c'est quand même des investissements considérables. Et en fait, les boîtes, elles n'en ont rien à foutre, elles marchent sur l'État, c'est-à-dire qu'elles vous donnent des garanties de 2 ans. Alors qu'en fait, elles bénéficient à fond des subventions de l'État. Donc il n'est pas possible de continuer comme ça. Et ça explique d'ailleurs.. les problèmes pour développer euh, ces filières, même si les pompes à chaleur, il y en a pas mal en France. Voilà, donc tout ça, avec du temps et de la constance, on peut effectivement se passer des énergies fossiles en France. Hein. C'est à peu près les mêmes conclusions que je faisais il y a quelques années, mais il faut mettre le paquet. Il y a 50 milliards d'économies sur la facture des énergies fossiles à réaliser, ce qui représente à peu près un million d'emplois directs en France, deux millions d'emplois indirects, donc ça serait une source majeure d'emplois. Mais pour ça, évidemment, il faut que ce soit produit sur place, donc faut il faut qu'il y ait un minimum de protectionnisme que ce soit des entreprises françaises ou étrangères, sinon on va encore subventionner avec notre argent et l'argent des contribuables pour faire de l'emploi ailleurs et on n'y arrivera jamais. Et il y a vraiment de l'enjeu. Il faut un état stratège pour créer les filières industrielles. Il faut des aides au financement, des taux zéro par exemple, qu'on va obtenir indirectement par la Banque de France. Et puis la taille de ce projet, c'est 1, 1 500 milliards d'euros d'investissement juste pour la France. Donc c'est hors de portée du secteur privé. C'est pour ça que le secteur privé mettra 50 ou 100 ans à faire ce... S'il y arrive un jour à le faire tout seul, c'est complètement hors de portée. Et on a absolument besoin de la création de monnaie de la Banque de France pour ce projet, pour ce genre de projet. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Pourquoi personne ne le dit Alors là, c'est assez simple. Hein. Déjà, il y a une volonté d'agir mondialement qui est à la mode, hein, alors que les seuls leviers sont nationaux. Mais dire ce que je dis, c'est encore sortir du cercle des bien-pensants. Et quand vous êtes dans une association écologiste où vous travaillez sur l'écologie dans des think-sanks, dire ça, parler d'État stratège gaulliste et d'être contre l'Union européenne, d'un retour au plan, d'avoir sa propre monnaie, de pas avoir l'euro, de faire du protectionnisme, en fait, vous êtes grillé dans le milieu et vous ne pouvez pas gagner. Donc, les gens, pour gagner leur vie, je pense qu'il y a des gens que je connais qui partagent mes idées. Ils ne me l'ont pas dit, mais je les sens assez frustrés. Mais ils sont obligés de dire. Que non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est par l'Union Européenne, parce que c'est l'Union Européenne qui paye les subventions à ces associations. Ou alors c'est les chefs d'entreprise des multinationales qui payent les ONG, et elles-mêmes, ces multinationales, le truc c'est de pas les emmerder avec des frontières du protectionnisme. Donc, si, donc, elles vont vous sortir des ONG si vous le dites. Et ça, c'est il y a une véritable autocensure là-dessus. Un dernier petit mot, euh, sur une initiative que je trouvais intéressante et de bon sens dans la bataille pour le climat et qui redonne, euh, un peu d'espoir sur ce sujet, c'est euh, il y a un groupe de jeunes universitaires belges, je crois, qui, qui a dit qu'en fait on pourrait planter massivement des arbres pour récupérer à peu près deux tiers du CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. Donc pour résoudre, franchement, de façon très importante, d'être reculé les problèmes et nous laisser le temps de travailler. C'est une étude scientifique qui a été proposée dans une revue scientifique sérieuse. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles euh, de contre-indications sur le sujet. ils disent que si on plante sur 9 millions de kilomètres carrés, donc 6% des terres émergées des arbres, on récupère deux tiers du CO2 émis par, euh, depuis le début de l'humanité. Donc c'est pas mal. Et évidemment, euh, c'est des très grands pays qui pourraient euh, accueillir ça de telle taille, sont, comme les, la Russie, les États-Unis, le Canada, l'Australie. La Chine ou le Brésil, on peut toujours rêver, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, on a parlé des deux sujets donc, les plus urgents, agriculture et énergie. Maintenant, il y a tous les sujets que je développe dans le bouquin sur l'écologie profonde. Je vais vous les lister, mais je ne vais pas vous en parler en détail, sinon on pourrait continuer très longtemps. C'est des sujets donc plus complexes. Et où là on n'a pas de solution parfaite. Hein. Il n'y a aucune solution accessible parfaitement, il faut des changements de mode de vie, il, faut... il y a un vrai chemin à trouver sur le sujet. Alors, un, des un des problèmes importants, je vous le dis quand même parce que ça vous donne des pistes sur l'avenir même si c'est pas de l'écologie pure, mais ça va avec l'économie circulaire, c'est la raréfaction des, des métaux. Je crois que c'est Jacques Millery, d'ailleurs qui en avait parlé ici dans une conférence, hein, qui m'avait sensibilisé au sujet, avec Philippe Biwix qui a beaucoup travaillé, qui a fait un excellent bouquin euh, sur le sujet. En fait, on a peu de métaux, parce qu'on a, on a un nombre de métaux à nos dispositions, à part le fer, l'aluminium et le silicium, qui sont très très présents sur la planète, de l'ordre de 5, 8, 20% selon les métaux. Les autres sont présents en... en très petite quantité et en fait les filons de métaux ce qu'on exploite hein, comme les filons de cuivre on les exploite aujourd'hui à 1% de teneur Donc, ça a déjà pas mal baissé au départ c'était plusieurs pourcents 3% il y a quelques années il y a une centaine d'années Or, le problème c'est qu'en fait on se dit il y a une continuité on va réussir à l'exploiter à 1% puis 0,7 puis 0,5 non le problème c'est que Philip Bewicks dans son bouquin qu'il a fait montre en fait qu'il y a des sauts c'est à dire quand vous passez vous avez fini d'exploiter tous les gisements concentrés de métaux concentré par l'action de la tectonique des plaques, par euh, même effet, euh, euh, des effets bi biologiques et tout un tas d'effets mécaniques, en fait, vous vous retrouvez sur des gisements infinitésimaux de teneur, et donc les coûts sont stratosphériques, que ce soit monétaires ou en énergie. Ce qui montre d'ailleurs que le délire euh, de la société ultra-industrielle, euh, qui utilise plein de métaux, des robots partout, euh, tout connecté, est probablement un délire, à moins qu'on soit capable d'aller capturer rapidement des astéroïdes pour récupérer ces métaux, mais bon, ça paraît de la science-fiction. Donc on aura besoin, en tout cas, on aura intérêt à récupérer tous ces métaux dans un programme global d'économie circulaire, ce qui, est déco ce qui veut dire en fait recycler tous nos déchets en ressources. Ça, c'est un projet d'écologie profonde qui est extrêmement complexe. On a quelques pistes, San Francisco fait des choses intéressantes dessus. Il y a un aspect marketing, mais il y a aussi un aspect réel. On a quelques solutions, mais c'est complexe. Voilà, je l'explique dans le bouquin. J'en explique les limites. On a un sujet encore plus compliqué. C'est la pollution multiple, en fait, due à l'ensemble des produits chimiques qu'on balance partout. En fait, euh, j'ai découvert avec euh, étonnement qu'il y a 60 millions de produits chimiques qui ont été inventés par l'homme et qui sont répertoriés par l'association américaine de chimie. Et il y en a 12 000 qui sont inventés chaque jour. Et donc, parmi tous ces produits, il peut y avoir des trucs très bien, mais des trucs extrêmement dangereux. Et c'est vrai que ça pose des questions. Comment on fait pour limiter ça sans la, limiter la liberté individuelle? On est dans des questions compliquées. Il faut parler aussi, je parle aussi de l'artificialisation des sols, la bétonisation. Comment on peut aménager mieux notre territoire, arrêter cela? Je propose des pistes. Il euh, y a faire entrer les, la nature dans les villes, pas simple du tout, hein, qui est une piste des écolos, mais on n'y arrive pas souvent, et c'est pas simple, mais je donne quelques idées. Et puis, il y a le gros sujet de la biodiversité qui est fondamental, avec plein de trucs intéressants. En fait, j'ai repris un bouquin d'un, parce que là-dessus, moi, j'y connais pas grand-chose, hein. je suis pas un spécialiste, mais j'ai voulu quand même traiter le sujet, donc j'ai repris le bouquin de quelqu'un qui travaille avec l'ANAR, qui s'appelle François Gerlotto, et qui est un spécialiste des écosystèmes, et qui nous... Euh, qui nous raconte plein de choses intéressantes euh, sur le potentiel forçage du climat par l'environnement, parce qu'il y a un forçage du climat par l'environnement, l'environnement, nos écosystèmes nous permettent d'avoir un climat potentiellement qui est viable. Alors ça, si on va jusqu'au bout, c'est l'hypothèse Gaïa, mais il n'est pas impossible qu'elle soit vraie, c'est-à-dire que l'écosystème dans son ensemble euh, permette d'avoir un climat euh, qui est meilleur et qui est vivable, de l'influencer hein de le changer mais de l'influencer. Et au niveau local, c'est complètement prouvé, c'est une évidence. Par exemple, la forêt amazonienne, si vous la rasez, vous avez à ce moment-là un climat hyper sec à cet endroit-là qui va se dérouler. Parce que principalement, c'est l'évaporation des végétaux qui permet de, euh, la pluie, à la pluie de tomber et on est dans un cycle de l'eau qui est spécial de la forêt, à la forêt amazonienne. Ce qui montre aussi... Vous trouvez un peu les scientifiques un peu débiles quoi parfois un peu euh, hyper énervés ça va être la catastrophe mais ce qu'ils disent et bien et Gerloto l'explique bien c'est qu'il y a un effet irréversible c'est à dire que si vous détruisez l'Amazonie vous ne pourrez plus la retrouver pour la retrouver il faudrait arroser ça avec des tonnes et des tonnes d'eau et vous pouvez pas la... enfin et ça sera quasiment impossible de le faire sur cette surface là puisque justement l'Amazonie force le climat au niveau local. Je vais vous parler, avant de finir la conférence, sur quelques sujets. J'ai fini par le bouquin, et je ne l'ai pas mis au milieu pour ne pas cliver inutilement, sur quelques sujets qui fâchent. Donc, quand on parle du climat, de la planète, on vous explique qu'il faut faire, enfin, les jeunes sautent dans la rue en expliquant à bas le capitalisme. Alors, tout ça, c'est bien intéressant, mais c'est quoi leur système de rechange? Parce que moi, je veux bien hein, qu'on arrête l'économie de marché. Franchement, il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est qu'on a un autre système qui est le communisme qui n'a pas, pas très bien marché. Donc, personne n'en a très envie. Donc, il faut inventer quelque chose d'autre, mais de fondamentalement différent. Pour l'instant, on ne l'a pas et on n'arrivera jamais à demander aux gens de sauter dans le vide. Par contre, on peut faire un capitalisme financier euh, définanciarisé à fond, avec un État régulateur, euh, sans libre-échange, qui nous permette la transition écologique. Après, sur le très long terme, ils ont raison. Mais il faut segmenter et pas tout compliquer. Sur le très long terme, à 200 ans, si vous êtes 2% de croissance mondiale, ça vous fait une multiplication par 50 du PIB. Donc des productions de biens et de services. La Terre pourra probablement difficilement le supporter. Donc il faut trouver un autre système ou alors le tempérer niveau Maos Costaud. Autre sujet, euh, publicité. Est-ce qu'on peut continuer comme ça avec la publicité Est-ce que c'est compatible à terme avec une vie euh, écologique La publicité, en fait, c'est 1000 messages par jour, selon certains, euh, qui vous disent acheter, consommer, acheter le nouveau produit, le produit à la mode et jeter. Donc évidemment, c'est 1000 messages par jour qui vous rentrent dans la tête, qui colonisent euh, nos imaginaires et euh, qui posent un vrai sujet puisqu'ils vont à l'inverse du but où on doit aller. Difficile de la supprimer mais en, tout de suite, mais en tout cas, il faudra la limiter et réfléchir à la supprimer à un moment donné. Autre thème très clivant dans les sujets qui fâchent, c'est la décroissance. À mon avis, ce n'est pas un bon sujet, ce pas très intéressant d'ailleurs, parce qu'il faut d'abord dire ce qu'on dit à la décroissance. Est-ce qu'on dit la décroissance de l'économie Alors, la décroissance de l'économie et économie de marché, ça veut dire toujours plus de chômeurs. Puisque euh, une économie de marché, elle a rapport, comme la France, a 1% de gain de productivité à cause des progrès qu'on réalise, techniques et différents, différents types de progrès. Ce qui veut dire que si vous avez une croissance zéro, vous avez 1% de la population au chômage en plus chaque année. Donc au bout de 50 ans, vous avez pratiquement tout le monde au chômage. Donc c'est absolument incompatible avec l'économie de marché, de la décroissance. Après, euh, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est la décroissance de la consommation de matières premières et de ressources. Par une économie circulaire, de recycler le maximum de déchets. Ça, c'est une potentialité. Autre sujet, la collapsologie. Moi, je trouve que c'est des sujets extrêmement dangereux de, de, qui a été porté par une certaine gauche, hein, notamment Pablo Servigné, qui vous disent que, en fait, l'effondrement est inévitable. Il n'y a rien à faire. Effectivement, si vous dites ça, bah, vous allez rien faire et vous êtes sûr d'arriver à la catastrophe. Donc, c'est assez dommage de ne pas agir et de rentrer là-dedans. On a des façons d'agir. Moi, j'en montre certaines dans mon bouquin. Je veux bien qu'on me prouve que ce n'est pas possible, mais il y a des vraies façons d'agir. Autre sujet aussi que j'ai hein dans mon bouquin, mais qui est important liberté individuelle et écologie. Aujourd'hui, effectivement, ça énerve un petit peu et ça gratte l'écologie parce que, en fait, on vous prive de vos libertés individuelles, mais pour rien. Dire de façon arbitraire. Je veux dire, les écolos bobos et jadistes, ils sont là-dedans. Ils veulent vous interdire la voiture aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on interdise la voiture dans les petites villes, mais dans une ville de la taille de Paris, vous n'avez pas pouvoir faire un réseau de transport collectif qui fonctionne sur toute la surface de l'île de France, ou alors vous en avez pour 500 milliards d'euros et je ne sais pas combien de frais de fonctionnement. Vous savez, quand vous payez votre ticket de métro à 1,50 €, en fait, euh, le ticket, à son vrai prix, c'est 6 euros. Il y a 4,50 euros de subvention. Donc, je vous dis pas le coût pour la collectivité, il est quasiment impossible et ingérable. On va bientôt vous interdire les avions. Le problème, c'est que c'est des interdictions arbitraires. Ce n'est pas des interdictions dans un but relativement juste, d'équilibrer et pour l'ensemble de la société. Là, on veut vous interdire arbitrairement. Et c'est là où la suppression de la liberté individuelle telle qu'elle est faite est insupportable. Mais en fait, on s'habitue tous, enfin, on s'habitue. Tous, on supporte une baisse de nos libertés individuelles. Personne ne jette ses poubelles par la fenêtre comme il le faisait il y a quelques centaines d'années. Et la raison est très simple. Et tout le monde en est content parce que tout le monde y gagne de marcher dans des rues qui soient propres et qui soient pas dans une hygiène dégueulasse. Donc c'est possible, mais il faut gérer ces problèmes de liberté individuelle avec doigté. Autre sujet, les problèmes de coopération internationale. Là, on arrive sur les sujets les plus compliqués, parce que quand vous faites de la coopération internationale, vous n'êtes pas sûr de réussir. donne un exemple, déforestation de l'Amazonie. Ça rend mal, tout le monde malade de voir que un des patrimoines mondiaux de l'humanité, des patrimoines, les, des choses les plus belles qu'il y a sur cette planète puisse être détruite. Rassurons, elles sont quand même, elle est quand même de moins en moins détruite. Ça avance et c'est, même avec Bolsonaro, c'est beaucoup moins grave qu'il y a 10-15 ans, mais c'est quand même très gênant et elle est un peu mitée. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est se mettre en cohérence, c'est-à-dire d'arrêter de faire des traités de libre-échange et d'acheter plein de soja ou Brésil ou plein de viande au Brésil alors qu'on pourrait les créer sur place. C'est une absurdité et arrêter ces accords de libre-échange qui détruisent l'Amazonie et détruisent notre agriculture. Donc, on peut se mettre en cohérence. Après, de toute manière, la solution, elle viendra des Brésiliens parce qu'on peut faire des sanctions ou des avantages selon où vont les Brésiliens sur leur forêt mais au fond, au bout du bout, c'est leur souveraineté. C'est eux qui vont décider, malheureusement, pour nous. Et on n'a pas tellement de choix, à moins d'être prêts à faire la guerre pour l'Amazonie, ce que je pense euh, personne n'est prêt à faire. Autre sujet qui fâche, c'est la démographie. En fait, évidemment, plus il y a d'humains sur cette planète. Plus ça sera difficile de préserver les ressources et de donner même des, re des ressources pour vivre à chaque humain. À 8 milliards, comme aujourd'hui, c'est acceptable, c'est gérable. Probablement qu'à 20 milliards ou 30 milliards, ça ne sera plus possible. À moins de tout détruire, que l'humain soit un bulldozer qui détruise tout sur son passage. Alors, je me suis amusé, alors celle là, c'est vraiment très factuel, à regarder euh, les courbes de prévision de l'ONU à partir des taux de fécondité. Ils font une prévision de la croissance de la population mondiale. Alors, ce qu'on trouve est assez intéressant. Moi, ce n'était pas du tout ce que je m'imaginais trouver. Donc, on a une population qui va passer du 8 milliards en 2019, 10 milliards en 2050 et 11 milliards en 2100. Et, et ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des continents, tous les continents ont une baisse ou une stabilité de leur, de leur population même certains qui vont un peu augmenter, je crois l'Amérique du Sud et l'Asie, pendant quelques années, qui vont baisser. Tous les continents ont une population stable ou décroissante, sauf l'Afrique, qui a un problème majeur, c'est qu'elle a une, un taux de fécondité encore élevé, elle a une masse de jeunes qui fait qu'en fait, elle va passer de 1,3 milliard d'habitants à doubler 2,5 milliards en 2050 et presque doubler encore en 2100, 4,3 milliards d'habitants. Donc c'est un problème énorme pour l'Afrique. Euh, il est évident qu'on ne va pas pouvoir dire que les 3 milliards de personnes vont immigrer, émigrer d'Afrique pour se déverser ailleurs. C'est évidemment absolument impossible. Et euh, ça pose un problème de, pour qu'ils puissent se nourrir correctement à ce moment-là et qu'ils puissent tout simplement ne pas détruire complètement leur environnement. Pensez à des pays comme l'Égypte où sur une bande de terre, il y a 100 millions d'habitants et il y en aura peut-être 150 ou 200 millions plus tard. Dernière chose, dernier sujet qui fâche. La sobriété heureuse, est-ce que c'est le choix ou pas, c'est le bon choix Ce que nous dit Pierre habib bon, qui est quelqu'un d'intéressant, euh, et qui nous explique que, en fait, on va y arriver à une société écologique, mais par une éthique de frugalité et par une sobriété qu'il appelle heureuse. Est-ce que c'est une solution Ce qui veut dire, en fait, on va remplacer le matérialisme par des valeurs de sociabilité, des, du lien social. C'est ça qu'il nous explique. Moi, j'ai un petit peu de mal à imaginer qu'on va faire basculer dans une société telle que la nôtre, euh, où l'argent compte beaucoup, où la publicité est partout. J'ai du mal à croire qu'on va faire peu à peu basculer une majorité des Français vers la sobriété heureuse. Ça paraît quand même assez peu probable. Ça va être complexe. À mon avis, c'est plutôt un objectif, cette sobriété heureuse, plutôt qu'une solution préalable pour nous faire basculer, je pense. Donc attention, parce que ça crée. Enfin, je trouve que ça crée des, des confusions, et moi j'ai été un peu confusionné, je me demandais comment réfléchir. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le, le penser. Voilà, donc en conclusion, j'ai essayé de vous montrer que tout ça n'est pas mort. Il y a plein de solutions, et des solutions qui sont réalistes. En plus, des solutions qui ont plein d'intérêts, puisqu'on est dans une société qui est réellement une société sans projet, et c'est très individualiste, et c'est sans doute de là qu'il y a beaucoup de problèmes qui naissent et qui apparaissent. L'écologie, justement, c'est un projet collectif pour le bien commun. Donc, il y a un projet aussi bien de droite que de gauche, il est en fait ni de droite ni de gauche ni du centre. Il est pour tous, qui pourrait rassembler les Français sur un beau projet. Quoi. Et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, euh, qui dit une phrase qui est très juste « Forcez-les à construire une tour ensemble, et ils deviendront des frères. » Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut espérer avec l'écologie. On n'a évidemment aucun espoir avec l'écologie individuelle qui finalement d'acheter quelques produits bio et de trier ses poubelles. Et au contraire, il faut redonner un rôle au collectif, à notre représentant collectif qui est l'État et de le contrôler par un référendum. Tout cela sera possible évidemment si on met euh, fin au dogme néolibéral, on arrête euh, la puissance. Intolérable de la finance. On a un vrai pays souverain en pleine possession de ses moyens, de sa souveraineté monnaie, euh, loi, protectionnisme, et évidemment pas dans l'Union européenne qui est un truc anti-peuple, anti-économie et aussi anti-écologie. Je le répète, c'est un mariage entre l'écologie et l'économie. Il faut arriver à concilier les deux, c'est fondamental. Et pourquoi nos gouvernements ne le font pas et ne n'utilisent pas bah C'est une évidence. C'est comme pour le coronavirus. On a vu l'exemple. On a préféré laisser les frontières ouvertes, alors qu'on savait que le virus allait arriver par les frontières. Nos gouvernements ont laissé les frontières ouvertes avec la Chine, mais aussi avec tous les pays qui commençaient à être contaminés pour nous laisser arriver le virus, parce que ça leur faisait trop mal d'arrêter le libre-échange et la mondialisation, même pour deux, trois mois. Ça leur faisait trop mal, donc ils ont préféré laisser passer le virus. C'est la même chose pour l'écologie. Ils disent qu'ils sont très favorables à cela, mais en fait, ils sont favorables avant tout à leur idéologie, à la mondialisation, au libre-échange. Ce qui revient à favoriser multinationales et puissances d'argent contre favoriser le national et le local. Donc ils sont de ça et c'est pour ça qu'ils ne proposent pas et qu'on ne pourra pas avoir une écologie véritable tant qu'on n'aura pas un État-nation en pleine possession de ses moyens. Je finis. À mon avis, au niveau politique, l'écologie c'est un sujet majeur, même si c'est pas les écolo bobos qu'il faut draguer. Hein. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et de toute manière, ils n'achèteront pas mon livre. Et quand ils l'achètent, ils refusent de le lire. Moi, j'ai des amis qui me disent Envoie-moi mon livre, ton livre, je vais le lire parce que j'adore l'écologie. En fait, ils refusent de le lire parce qu'ils veulent pas débattre avec moi sur les sujets. Et ils voudront pas débattre, ils voudront s'aveugler. Donc c'est pas notre, c'est pas eux à qui on s'adresse. C'est les classes populaires, c'est les classes moyennes et tous les souverainistes, tous, tous les souverainistes qui sont ouverts. Mais je pense qu'il y a trois sujets, moi, fondamentalement importants dans la politique pour demain, même s'il y a des sujets annexes aussi importants, mais les trois grands sujets flux d'immigration, économie, écologie. C'est les trois grands sujets. Effectivement, en plus, on fait du J2 avec le système. Parce que le système va parler d'écologie. Parce que le seul truc qu'il apporte, c'est pas sur l'économie, c'est pas sur l'emploi, c'est pas sur les services publics, c'est rien. Donc, il va nous envoyer dans la route de l'écologie. Donc, autant l'utiliser à notre avantage. Et surtout, moi, je vous en prie à tous les amis qui sont souverainistes ici, ne soyez pas sur votre souffrance personnelle. Il y en a, c'est l'immigration. Ils pensent qu'à ça. Ils vont vous dire qu'il faut abandonner tous les thèmes, parler d'immigration. Sauf que vous laissez de côté les copains qui sont à gauche, qui vont penser plus à l'écologie, et d'autres copains qui pensent à l'immigration, mais aussi à l'économie. C'est le meilleur moyen de perdre des électeurs, de nous cliver et d'arriver à rien, de ne traiter que d'un sujet et de rejeter les autres. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.